que vous allez bien. Donc, on est en après-midi, 3h30, et c'est l'heure de la collation. Donc, Evie mange un petit kiwi. Ce matin, super productif, j'ai fait un entraînement. Puis là, j'arrive d'aller livrer les tartes. Donc, c'est ça, je faisais du financement là, pour ma troupe de danse. Puis il me restait 2 tartes à donner à mon père, puis 2 tartes à donner à des amis. Fait que je suis allée porter ça avec Evie. Là, ça nous a fait sortir de la maison. Puis après ça, j'ai fait du lavage. J'ai tout mis aussi. J'avais du linge là, que je voulais mettre sur Vinted et Marketplace. Du linge qui faisait plus. Là, fait que je me suis dit pourquoi pas essayer là, de le vendre à petit prix. Puis ce qui ne sera pas vendu, là, j'irai le donner à un organisme là, pour des gens dans le besoin. Fait que ça ressemble à ça. J'avais encore quelques petits trucs là, sur ma liste à accomplir. Mais on va terminer ça là, cet après-midi. Puis sinon, demain matin! Fait que sur ce, on vous dit bonne fin de journée! Salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on est vendredi après-midi. C'était une journée productive. Entre autres, ce matin, là, j'ai mis du linge à vendre. Puis au début, je les avais juste pris en photo comme sur le comptoir. Puis c'était vraiment boboche. On dirait qu'on voyait pas bien les vêtements. Fait que là, tantôt, je les ai comme toutes remis un par un. Puis j'ai pris des photos pour qu'on voit vraiment c'est ça, le morceau de vêtement comme sur quelqu'un. Puis en même temps, ça donne une idée au niveau de la grandeur. Fait que j'ai mis ça sur le market, puis sur Vinted. Fait que ce qui sera pas vendu, j'irai porter ça, là, comme je vous disais, à des gens dans le besoin. Mais bref, c'est comme j'ai comme vraiment tout fait en double, mais au moins, là, c'est fait. Puis ce matin, j'étais bien crinquée, là, les comptoirs, le comptoir de la cuisine, ça m'énervait, là. J'aimais tellement pas ça comment c'était. Puis on a des super beaux comptoirs, puis on dirait qu'il y avait trop d'affaires, là, sur le comptoir. Fait que je vous montre un petit peu, là, comment j'ai arrangé ça. Ouais, fait que le petit coin café, là, j'ai rien changé, là, ça, c'est vraiment à revoir, là. Il y a des choses que je suis pas certaine, mais pour l'instant, ça va être ça. Ici, c'était la machine à glace, là, que j'avais acheté à mon chum. J'ai remis le toaster qui était initialement là, avec ma petite tasse, là, chauffante. À côté du four, j'ai mis, le sel-poivre avec l'huile qu'on utilise tout le temps. Là, c'est ça, là, que je suis comme pas trop certaine, là, puis mon chum non plus était pas sûr de mettre un cadre, là, ça a vraiment pas rapport, mais c'est qu'il y a une prise électrique que je veux absolument cacher, ça m'énerve de l'avoir, fait qu'éventuellement, soit mettre, c'est comme le même principe qu'ici, là, une planche, ou en tout cas, je sais pas, là, à voir, là, si vous avez des idées, dites-moi-le, puis mes petits livres, là, de cuisine, ici, là, j'avais le, mon Dieu, on voit mon ombre, c'est l'enfer. C'est ça. J'avais ce petit support-là là, qui, initialement, c'est comme vraiment pour un livre de recettes à mettre de ce côté-là, mais je trouvais que de le mettre comme ça, là, ça faisait bien. On voyait tous les volumes. Puis ce matin, j'avais un rendez-vous aussi pour aller faire couper les griffes des chiens. Puis je suis tellement contente, là, honnêtement. Là, je le faisais moi-même avant, puis je me suis rendue compte que c'était vraiment un chiot. Ça, on dirait que je me battais là, pour le faire, puis je suis pas sûre que je le faisais super bien non plus. Fait que l'animalerie à côté de chez nous, là, ben Sainte-Catherine le faisait. Fait que c'est sûr que c'est des coûts là, à chaque mois, mais je me suis dit honnêtement, je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis comme ça aussi, je vais arrêter de l'oublier, là, puis de. C'est ça, je l'échappais, là, puis il était tout le temps vraiment dû. Fait que là, je l'ai mis à mon horreur. Le prochain rendez-vous est déjà pris. Puis, tu sais, à un chien, c'est tel que tel, là, mais là, à deux, toutes les toilettes, le brossage, le ci, le ça, ça fait beaucoup. Fait que je me suis enlevée cette tâche. Fait que je voulais juste vous dire que j'étais bien contente de ce service-là. Fait que des fois, faut pas hésiter, là, puis il faut se déloader un petit peu. Puis, j'avais oublié de vous dire, là, on avait initialement dans la cuisine une petite station comme de chargement là, pour sel puis écouteur. Puis là, je savais pas où mettre ça. Fait que pour l'instant, là, c'est dans la salle de bain ici. Et dans la petite salle d'eau. Fait que à suivre, là, je suis pas entièrement satisfaite. Mais pour l'instant, ça va être pratique comme ça. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Donc, on est la veille du nouvel an. On est le 31.
Puis on sait samedi. Écoutez, il faut que je vous raconte quelque chose rapidement parce que je peux pas croire que je vous ai pas raconté ça hier. Je comptais ça à mon chum, puis il était comme « You need to tell everyone ». Comme ça n'a pas de bon sens. Hier, je suis allée au salon funéraire avec ma mère pour les préparatifs pour mon grand-père. Fallait faire une clé USB avec des photos. Bon, je vous avais expliqué ça. Donc, on arrive à la réception. C'est simplement pour tester la clé USB, s'assurer que tout fonctionne. Et là, la madame de dire « Je vais vous faire une blague. » Là, moi et ma mère, on est comme, tu sais, quand t'annonces une blague, là, c'est comme bizarre. Puis là, je vois qu'elle est comme pas sûre, mais qu'elle veut faire sa blague. Fait que là, elle dit, en parlant de mon grand-père, « On va le garrocher dans le Saint-Laurent. » Là, on est comme... Moi, je suis comme de même, ma mère aussi. Elle dit « Parce que la salle que vous allez être s'appelle le Saint-Laurent. » Là, moi, je suis de même. Comme, je fais vraiment cette face-là, là. Je la regarde, puis je suis comme... Elle me dit « Non, je penserais pas, c'est vraiment déplacé. » Ma mère, qui est comme trop fine, elle est comme « Hihi, rire jaune. » Et là, la madame de dire « Tu sais, quand il faut annoncer une blague, peut-être qu'on devrait pas la faire, hein? » J'ai dit « Ben, effectivement. » Je peux pas croire que ça, c'est la personne qui travaille à la réception d'un salon funéraire. Probablement pour qu'on... Tu sais, elle dit, c'est une blague qu'on se fait entre nous. Ben oui, mais c'est peut-être pas pour rien que c'est une blague que vous faites entre vous, tu sais, pis pas aux gens endeuillés. Fait que fallait que je vous raconte ça, ça a comme pas de bon sens. J'étais comme, je peux pas croire que j'ai vécu ça. C'était juste malaisant, puis je pense que cette pauvre madame-là refera plus cette blague-là, parce qu'elle est pas tombée sur la bonne personne qui allait rire jaune. Polie comme ma mère, moi j'étais comme, non, c'est vraiment déplacé, comme... C'est pas drôle. Puis après ça, on s'en va, tu sais, placer la clé USB. Puis elle dit, regarde, c'est ça, là, je vous disais, le Saint-Laurent. J'étais comme, non, mais cesse, arrête immédiatement. C'est non, là, tu sais, on met fin, on, là, c'est comme si elle pédalait dans le vide pour essayer. Je sais pas trop. Aucun sens. Aucun sens. Fait qu'il fallait vraiment que je vous conte ça. C'est tout. Passez une super belle journée, puis nous, on s'en va fêter le nouvel an chez des amis ce soir. Fait que, éventuellement, là, je vous filmerai dans les prochains jours. Bye bye! C'est rare que je vous filme le soir, mais aujourd'hui, mon chum a tout remanié le gym pour que ça soit vraiment plus fonctionnel. Il a accroché les bords, un peu comme on avait fait là, à la Valtry. Bon, pour ceux qui me connaissent et qui avaient vu, là, fait que je voulais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on avait fait parce que ben, c'est ça. Ça va être vraiment plus fun de s'entraîner de cette façon-là. Puis ça va être plus motivant aussi. Fait que bref, je vous montre ça. Je vous montre ça, là, on descend du sol. Le sol n'est pas terminé, mais pour l'instant, là, on ne ressentait pas le besoin de le faire. Donc, on arrive ici là, avec bon, la boxe, le ballon. On a un petit tapis aussi là, de surplus pour faire des abdos. La télé qu'on avait, là, qu'on a réutilisée pour mettre au sol. Fait que c'est pratique pour faire des petits entraînements là, par vidéo. Ça, c'est le surplus de barres. Il y en a certaines qui vont être accrochées, mais pour l'instant, là, on les a mis là. Puis ça ici, là, c'est comme des extensions qu'on peut mettre sur les bancs pour faire des mouvements de plus. Petit panier, puis le demi-ballon aussi là, pour l'équilibre. Ici, dans le fond, c'est notre petite station là, cardio. Fait qu'il y a le tapis roulant, puis le vélo stationnaire. Là, je vais vous montrer, là. Puis on a mis un petit miroir ici pour quand on court, là, pouvoir se voir. Fait qu'on l'avait, puis on savait pas là, où le mettre. Je me rappelle plus, il était où dans l'ancienne maison? Mais bref, on l'avait de surplus ici. Puis ici, là, en rentrant, il y a un espace tapis devant miroir, là, pour faire plus d'exercices au sol ou devant la télé, là, comme je vous disais. Donc, à cause de ça, on a la cage à squat ici.
avec le banc à l'intérieur. Puis on a mis là pour l'instant les. Comme je vous disais, il y a d'autres barres qui vont s'accrocher possiblement en haut ici, là, dessous la fenêtre. Mais pour l'instant, là, c'est celle-là qu'on a mis. Fait que, tu sais, c'est comme super pratique. Dans le fond, on gagne l'espace, puis c'est ça, on les voit bien. Donc, on a un deuxième banc ici. Puis les élastiques cordes à danser. Puis ça ressemble à ça, là. Ensuite de ça, on a des poids ici et ici. Donc, deux racks là, pour les poids. Puis on a un long mur de miroir. C'est des murs IKEA là, qui sont vraiment un calvaire à poser, mais vraiment pas cher. Pour nous, c'était gagnant pour le gym. Puis ensuite de ça, on a notre fameuse machine à poulies. Qu'on aime vraiment, vraiment beaucoup, qu'on a mis en coin ici. Fait qu'on l'aime vraiment beaucoup, là, comme plusieurs options. Puis c'est ce qui fait qu'on peut s'entraîner vraiment comme si on était là, au gym. Puis on a ici là, nos dumbbells ajustables qu'on peut comme choisir, là, puis soulever, puis ça s'ajuste selon là, le poids. Fait que ça, c'est super pratique. Fait que je vous tiendrai au courant là, si jamais il y a d'autres petits updates. Mon Dieu, mes cheveux de gym, mais voilà, on était super motivés là, à s'entraîner rigoureusement. Fait que moi, j'avais déjà recommencé un petit peu là, avant les millions de virus. Puis voilà, on veut continuer sur la bonne voie. Fait que, tu sais, quand tout est bien organisé, qu'on voit tout ce qu'on a, c'est vraiment plus facile et, comme je disais, motivant. Fait que sur ce, je vous souhaite une super belle fin de soirée, puis on se dit à bientôt!